Les apprentis aventuriers 6, Amélie déjà éliminée, elle prend la parole. Dans l'ordre logique des choses, la 12e saison des Marseillais devrait être diffusée après le cross. Mais cette année, l'émission Les Marseillais est en pause, comme l'annonçait Jérôme Fougeray, le directeur général de W9. Après Les Marseillais vs Le Reste du Monde vs Les Motivés actuellement diffusés sur la chaîne, les téléspectateurs retrouveront un peu plus tôt que prévu la saison 6 des Apprentis Aventuriers. Après vous avoir dévoilé le casting complet, Blasting News vous dévoile en exclusivité le premier binôme éliminé de la compétition. Il y a à peine une semaine, 8 binômes ont décollé direction les Philippines pour participer à la 6e saison des Apprentis Aventuriers. Habituellement, le tournage se déroule en Thaïlande. Mais comme la production a décidé de tourner le programme en avance cette année, elle a préféré éviter la période des moissons. Alors, quel est le casting complet pour les Apprentis Aventuriers 6? Nous retrouverons bientôt sur nos écrans Amélie Nothan, qui a fait son grand retour en télé dans les 50, accompagné de son meilleur ami Romain. Charlotte Main et son frère Stéphane, le couple incontournable du moment Nicolo Ferrari et Victoria Meo. Le très stratège Maxime et sa femme Valeria, Jessie Herrero et sa chérie Fanny Salva. Antonin des Marseillais qui fait son comeback avec sa chérie Barbara rencontrée dans la villa des cœurs brisés. Nicolas et Aya démotivés, ainsi qu'Ilona et son chéri Paul-André. Après 6 jours d'aventure et de survie, un binôme a déjà été éliminé de la compétition. Ceci n'est pas vraiment un spoil, puisque la candidate en personne a déjà réactivé ses réseaux sociaux. Et c'est le blogueur Varuko qui a eu l'œil en premier, toujours présenté par Laurent Mestret. L'aventure procède toujours à des éliminations tous les jours pour un tournage d'une durée de 3 ou 4 semaines. Malheureusement, Amélie et Romain ont été éliminés récemment par les autres candidats. Ils sont donc les premiers éliminés de cette 6e saison. Guillaume. Et cette information se confirme bien, puisqu'Amélie Nothan est bien rentrée chez elle en Belgique. La candidate était d'ailleurs très heureuse de retrouver son chéri et son fils. D'ailleurs, la petite famille a prévu un voyage à New York durant les vacances de Noël. Après des jours d'absence sur ses réseaux, elle s'exprime enfin et semble souffrir du décalage horaire, désolée. Je ne pouvais pas répondre, je ne pouvais pas envoyer de message, je ne pouvais rien dire. D'ailleurs, je ne peux toujours rien dire, là, il faut que je tienne jusqu'à ce soir pour dormir, sinon ça va être la misère. Entre deux vidéos dans sa story, Amélie a partagé un proverbe qui laisse songeur, une certaine qualité de gentillesse est toujours signe de trahison. Est-ce un message pour ses camarades restés sur l'île déserte qu'il aurait trahi durant l'aventure? On a hâte d'en savoir plus à la diffusion.